L'œuvre de Giono nous fait comprendre que pour trouver la lumière, il faut d'abord creuser les ténèbres. Derrière l'armée, il y avait un cordon de gendarmerie et devant, il y avait les Allemands. Il fallait fuir à l'avant. Si vous fuyez en arrière, vous étiez fusillé et chopé par les gendarmes. En avant, vous aviez quelque chance de vous en tirer, parce que les Allemands faisaient aussi des prisonniers. Mais c'est le vieillard qui a peur de la mort, les jeunes n'ont pas peur de la mort. On avait peur de la souffrance, on avait peur surtout de cette espèce de mécanique horrible qui malaxait les membres et la boue dans une espèce de mélange horrible. On peut superposer deux choses. Il y a l'homme réel et il y a l'écrivain. Et je pense que l'écrivain, lui, il est né dans la tranchée. Et de là est sorti un écrivain qui n'a cessé de travailler et de poursuivre la question du mal. Et au fond, même si la guerre n'est pas directement mentionnée, elle est métaphorisée ou présente de manière discrète et détournée partout par les épidémies. On se souvient du choléra qui frappe les humains dans le Hussard sur le toit, par les catastrophes naturelles et puis par la noirceur dans le cœur des hommes qui sont poussés à commettre des assassinats. Détestait la littérature régionaliste. Il trouvait qu'être au plus près, comme ça, au plus plat des choses n'avait strictement aucun intérêt et que lui, son modèle, vraiment, c'est le modèle de l'Antiquité. Pour comprendre le rapport de Giono à la réalité, il ne faut pas penser Giono comme un écrivain au sens d'aujourd'hui. Il faut le penser comme au sens de l'Antiquité et de la Renaissance, c'est-à-dire comme un poète. C'est une langue et une écriture qui est extrêmement concrète, qui est attaché au moindre pli et repli de la vie, des plantes, des animaux, des hommes, des femmes, et qui en même temps s'arrache de ça, de cette immédiateté, et fait avec ça de l'art, c'est-à-dire de la poésie, s'élève au-dessus de la réalité. C'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de décrire. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est le style, de remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. C'est un homme que partout vous le rencontrez, vous parlez. Il était parfait. Et hier, je suis allée l'accompagner. Et je suis allée jusqu'au cimetière, chose que je ne fais pas.